Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono et le Serac Ninja. Ouais, ninja du clan Perle, hein, du coup. Exactement. Donc, je me suis dit que j'allais changer de tenue par rapport au tuto précédent. Puisqu'on démarre une nouvelle zone. Et oui, on fait la zone de la côte Lazuli, mes chers amis. Ouais. On espère que ces tutos vous sont utiles et que vous appréciez les tutos. Donc dites-nous en commentaire si vous appréciez. On aimerait avoir vos retours. Et ouais. Donc là, on va commencer du coup par le premier trio de barons statiques. Il s'agit de Kemorse, Capidextre et Aquaquack. Donc on va descendre toute la côte en fait. On va passer par la plage Ginko et on va descendre. On ne pourrait pas dire Ginko plutôt. Ginko Biloba, Ginko. Enfin, moi j'ai toujours entendu Ginko, c'est pour ça. Bah, Junko, d'accord. Mais en fait, Ginko parce qu'ils ont un symbole en or. Ah non, c'est Kinlor. Gin, c'est l'argent. Mais bon, du coup, voilà le Kemorse, level 50. C'est une vraie purge, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ouais, son blizzard est assez horrible. Hein. Entre son blizzard et son soin, c'est une vraie purge. Ouais, il a repos. Ouais, c'est une horreur. Donc voilà le Kemorse, du coup, mes chers amis. Ouais, du coup. Hop, hein. Et on va passer au Capidextre. Qui est Capidextre. À la crique paisible. À la crique paisible. Je vais dire au cirque paisible. Vous n'avez besoin que de Serbilin pour ces trois barons. Vous avez besoin d'aucune monture. Mais on va considérer que de toute façon vous avez Serbilin et Ursa King maintenant. C'est ça. Bon, Ursa King ne vous aidera pour rien. Sauf si vous voulez trouver des trésors. Oui, mais voilà. Il vous aidera pas pour le les voilà. Bas. Tiens, et attention parce que du coup tu as une Miss Team Rocket slash Team Cascouille. Certain. Niveau 50 également. Ouais. Team Cascouille, tu vas devoir l'affronter si tu passes. Mais juste là. Et enfin le Aquaquack aux lagunes des baies. Qui est... Des baignes. Des baignes. Ah, des baies. Eh, mais aujourd'hui, je sais pas. Lagune des baignes. Voilà. La lagune des bains. On va dire que tu avais mis un petit accent. Voilà, c'est ça, j'ai un accent. Vous pouvez monter par ici et vous accédez ensuite à la lagune juste derrière. On évite le combat avec la Cascouille. Ici, vous avez des Togepi. Ouais. C'est super rare un Togepi. Il y en a un autre là-bas, je crois. Mais vous en avez très peu hein, qui pop. Donc, tu l'as pas eu le premier. Est-ce que tu auras le deuxième? Ah, le voilà. Notre Aquaquack, du coup, qui est level 50 level aussi. Level 50 également. C'est bien qu'ils te mettent non attrapé, du coup. Ils précisent, c'est très bien. Quand tu regardes le baron, il écrit non attrapé. Ça veut dire que tu ne l'as pas attrapé encore. Arrête de me cibler. Et tu as ralenti le mouvement de l'espèce. Bien. Non mais. Et voilà. Le Aquaquack Baron attrapé, félicitations au Serac. Et c'est là du coup qu'on va se quitter pour ce premier tuto, mes chers amis. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, lâchez pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous. Ouais. Et du coup, quels seront les barons du prochain épisode? Les barons du prochain épisode seront un Octunoir et un Levenard. Mmh. Nous allons continuer la ligne en fait. Ouais, on va continuer la ligne sur ce côté-là de la côte. Exactement, on va aller jusqu'à la main. Ouais, on espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, mettre des pouces bleus, partager, à vous abonner si notre contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Allez, à ciao les amis. Ciao les amis.